La natation, c'est un sport de répétition, de technique, d'endurance. On a une chance, c'est un one shot. On est devant parfois jusqu'à 1 milliard de téléspectateurs quand c'est la finale des Jeux Olympiques. Il n'y a pas 30 secondes de plus, il n'y a pas une deuxième chance, il n'y a rien d'autre. Donc l'ensemble de l'année, c'est fait pour que finalement, il y ait plus d'erreurs possibles. Le grand jeu avec les athlètes, c'est de les inscrire dans une quête de perfection, en sachant très bien que finalement la perfection, on n'en tiendra jamais, mais que si on arrête de la chercher, on arrêtera de progresser, donc on n'arrivera jamais. Il y a tous ces paradoxes dans la recherche de niveau. Mais oui, la quête du geste parfait, c'est ce qui nous anime au quotidien. C'est un sport individuel en compétition, mais collectif à l'entraînement, on s'entraîne en groupe, donc il faut trouver dans cette complexité-là, c'est ce qui fait la magie de notre métier, la meilleure alchimie. La natation, c'est 7 heures par jour, c'est une trentaine d'heures par semaine. Certains athlètes, on travaille 10 ans ensemble, un peu comme dans un couple, au bout d'un moment, on ne s'écoute plus. Pour moi, si on veut entraîner tous les secteurs de l'athlète, il vous a en permanence sur le dos. La première partie de l'entraînement, on a groupé les deux. Finalement, on a fait le pari du collectif. Le pari du collectif, ça a un avantage extraordinaire en termes de vie, parce qu'on est tous à partager un projet commun. Ça a un désavantage, c'est qu'à un moment donné, on peut passer moins de temps sur l'individu. Et j'essaye de compenser ça par la multiplication des compétences. On a deux préparateurs physiques, chacun avec leur spécificité, chacun avec leur sensibilité. On a 3 entraîneurs de l'équipe élite, on a 2 kinés, on a 1 médecin, on a 1 préparateur mental. Et voilà, ils peuvent aller chercher un peu des compétences partout. On a essayé de multiplier ça de manière encore plus large avec nos nageurs experts, si vous voulez. Donc il y a la catégorie des entraîneurs, les nageurs experts les plus expérimentés à qui je demande ce travail-là chez les jeunes. Je vous donne un exemple concret. Quand Fabien Gillot voit Florent Manaudou 2 ans avant les Jeux Olympiques et lui dit « t'as un talent énorme », ça a un impact sur l'athlète. Quand un nageur qui est champion du monde vous dit « t'as un talent énorme », ça a un impact complètement différent quand c'est un athlète, votre père, qui vous dit ça plutôt qu'un entraîneur. Voilà, il y avait vraiment un système vertueux pour moi qui était évident dans ce sport-là. Il y a un échauffement, pas difficile, qui fait 2000 avec une vraie partie de transfert où il y a du kayak, où il y a du croco avec les poids, on ira vous les chercher. Donc on est tous ensemble sur le premier 2000 et ça se sépare sur la partie jambes. Une de mes convictions les plus fortes, c'est que c'est par le jeu qu'on apprend le mieux. C'est quand on arrête de réfléchir, qu'on est en train d'apprendre, qu'on se met à apprendre. On essaye de proposer des solutions d'apprentissage qui soient sous forme de ludique, sous forme d'intéressement et on est à ce titre-là peut-être un peu différent de la vieille école de la natation où on était sur un travail énormément quantitatif. On essaye de se positionner du côté qualitatif, quitte à être à la limite des besoins physiologiques d'un sportif de haut niveau. Quand un athlète arrive à l'âge de 20 ans, il a déjà plus de 10 années ou 12 années de pratique en bi-quotidien dans son sport. Je veux créer un électrochoc qui fait qu'on va en faire moins, on va le faire mieux, on va le faire différemment, on va s'amuser en le faisant. Par contre, on va mettre vraiment de l'hyper-concentration dans ce qu'on va faire. C'est une de mes plus grandes révélations en tant qu'entraîneur. C'était vous pouvez faire le meilleur travail du monde en termes d'entraînement. Finalement, l'entraînement en lui-même, la partie dans l'eau, elle doit représenter 10% ou 20% de la réalité de la réussite de l'athlète. Par rapport à son objectif, il faut qu'il s'en sente capable. Il faut qu'il y croit. Et donc, voilà. Et tout le plan d'entraînement va se construire en fonction de lui permettre d'y croire. Beaucoup plus que le faire progresser. Parce que, arrivé à un moment donné, j'ai souvent eu des athlètes qui étaient forts, qui étaient prêts et qui ne gagnaient pas. Tes représentages sont toujours bien maintenant. Il manquait, dans l'étape de construction de l'athlète, ce travail sur la potentialisation. Qui je suis, ce que je peux accomplir. Et très souvent, quand vous êtes face à un athlète très talentueux, il y a beaucoup de freins par rapport à ça, parce que de tout petit, son talent il s'est déjà exprimé, les gens ont des attentes, et par rapport à ces attentes-là, il évite de se dévoiler. Et quand on gagne, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend mieux la fois d'après. On attend de gagner à nouveau, on attend de gagner encore plus haut. Et la plupart des athlètes talentueux, à force, ils se sont forgés cette carapace en disant « mais si je fais bien là, il faudra que je fasse bien là, puis je fasse bien ». Et finalement, ils ne s'expriment jamais. Et la plupart des athlètes les plus talentueux avec lesquels j'ai pu travailler, il a fallu casser un peu ça et leur faire comprendre que gagner, c'était autre chose. C'était pas à chaque fois une attente derrière. Et que c'était pas grave, une fois, de se mettre à nu, de voir qui on était vraiment, quitte à s'apercevoir qu'on n'est pas le meilleur.